Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 26 octobre 2020 sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Débriefons d'abord du quintet de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Chalamba, le numéro 1, monté offensivement par Christophe Soumillon et qui était le coup de poker de Turf Sélection, s'impose avec style. Malheureusement, lors d'une arrivée difficile à déchiffrer, la minute quintée ne s'illustre pas. Certains participants inspirés trouvent le quintet des ordres lors du fameux concours de pronos gratuits. Citons les trois premiers du classement du jour, à savoir Maurice 59, Stala et Sevat, qui marquent tous plus de 450 points lors d'un quintet vraiment peu évident avec la présence d'un gros outsider à l'arrivée. Bravo à tous les trois! Allez, l'heure est venue de prendre la direction de Marseille. En ce lundi 26 octobre, c'est la cité phocéenne qui accueillera l'événement quotidien hippique préféré des Français. Le handicap de Marseille, deuxième course du jour, réunira 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 2100 mètres de la piste en gazon, tous voudront occuper la meilleure place possible, ce qui nous promet une épreuve très rythmée. Kerat, le numéro 8, est un élève de Frédéric Rossi qui reste sur une plaisante victoire obtenue sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Bien placé dans les stalles de départ avec le numéro 3 et piloté par une Ambre Molins ayant à cœur de remporter un quintet plus, il sera retenu en très haut rang par de nombreux turfistes. Gypsy Jet Set, le numéro 1, est lui d'une folle régularité. Ce fils d'Airchief Marshall est entraîné par un Christophe Escuder qui ne touche pas terre actuellement. À Anthony Crastus de se sortir du numéro 13 dans les boîtes pour jouer une nouvelle fois le succès. Edinson, le numéro 6, partira avec la grande confiance de son mentor, Richard Chautard. Avec l'as à la corde, Pierre-Charles Boudot aux commandes et des œillères australiennes, il vise logiquement le succès. Mon argent, le numéro 4, peut répéter sa dernière victoire si le terrain ne devient pas trop pénible et si Sylvain Ruiz peut lui donner le bon parcours dans le dos des premiers. Indian Pacific, le numéro 14, présenté par Cédric Rossi et piloté par l'insatiable Maxime Guyon, va tenter de faire une nouvelle fois l'arrivée en montant sur le podium. Special Appeal, le numéro 5, équipé d'œillères pleines pour la première fois de sa carrière, peut confirmer sa dernière victoire. En cas de non-partance, Siam, le numéro 2, avec Stéphane Pasquier aux manettes, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous, un très bon début de semaine et nous vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.